Dans mes rêves, vous étiez tellement plus jolie. Vous aviez des cheveux roux et de longues quilles. Me rendaient fou, mais ce matin, je n'ai rien à vous dire de bien. Oh, 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 oh. Et c'est reparti pour une danse. Qu'on se le dise, moi ce qu'il me faut c'est des vacances. Mais paraît que c'est la crise et que c'est la faute à pas de chance. Si moi je ne sais plus comment vous faire rire. Et si je ne sais plus comment vous faire rire. Solo. Je suis Quentin, je suis le chanteur de Dalton Telegram. On est un groupe donc liégeois de Belgique. Allez mon grand. On fait un style de musique qui mélange un petit peu la folk, les influences americana, et on essaie d'écrire tout ça en français. Americana, c'est tout ce qui vient des musiques entre guillemets roots américaines, c'est-à-dire tout ce qui est folk, blues, country, bluegrass, etc. Et donc nos influences et notre instrumentarium, il vient de ce côté-là de la musique. L'histoire du groupe, au risque de faire un gros cliché, c'est d'abord l'histoire, on est d'abord quatre potes d'adolescence, on vient de la même région, des mêmes villages tout près de Liège. Allez, on avait ceci de différent par rapport aux autres groupes, c'est qu'on a toujours eu envie d'écrire en français, et je pense que c'est pour ça qu'avec en tout cas le batteur et le guitariste, puis le contrebassiste est venu un peu plus tard, on a toujours fait partie des mêmes groupes, parce qu'en Belgique ça chante beaucoup en anglais, on était assez peu à vouloir chanter en français, donc on s'est toujours retrouvés dans les mêmes plans, et puis voilà, Dalton c'est né de cette envie-là de faire quelque chose de plus folk, plus acoustique, plus américain. Laissez-moi donc faire cette gaffe, laissez mes doigts défaire vos agrafes. Et que demain en voile sur mes souvenirs. Mais laissez-moi venir. Oui, oui, laissez-moi venir. Nos influences un peu americana, bluegrass, se traduisent à travers simplement les instruments qu'on choisit. Quand on commence une compo au banjo, elle va avoir une certaine couleur. Quand on la commence avec un grattoir, une guitare folk et une contrebasse, elle va avoir une autre couleur. Donc il y a déjà bêtement cette mise en place-là. On a été biberonné par les Johnny Cash, par les vieux chanteurs de country. Ça fait que 3 ans qu'on joue ensemble, mais dès le début, on a eu la chance de pouvoir partir jouer des concerts à Montréal, et là-bas il y a toute une scène folk francophone, des gens, je ne sais pas s'ils sont déjà très connus ici en France, comme Lisa Leblanc, ou bien comme Bernard Adamus, comme les Hey Babies. Voilà, nous quand on est allés, on les a vus, ça nous a foutu une claque, et quand on est revenu, on s'est dit c'est dans cette veine-là qu'on veut creuser, mais avec nos spécificités à nous, évidemment. Il y a un morceau qui s'appelle « Évidemment », et qui compare un peu notre ville à nous, Liège, qui est une ville un peu crade, il faut bien le dire, à Montréal, qui est un peu la ville idéale, en tout cas quand on n'y va pas tout le temps, quand on n'y est pas tout le temps, on se dit mais tout est possible là-bas, c'est les qualités de l'Amérique avec les qualités des Europes, et tout ça est génial, et puis après on revient et on est à Liège où les qualités il y en a, mais il faut un peu gratter, et cette chanson évidemment, elle parle justement de cette espèce de sentiment un peu d'infériorité qu'on peut avoir par rapport à eux. Évidemment, c'est pas l'idéal. Évidemment, que c'est pas Montréal. Évidemment, qu'on en vit Paris. Évidemment, que Bruxelles est plus belle. Et que Bruxelles est la plus belle. C'est pas l'idéal, évidemment, que c'est pas Montréal, c'est pas Montréal.